greetings, astronaut, war hero, or Olympian. My name's Cave Johnson, and boy, do I have something to show you. You're here because you're the best the world has to offer. I don't say that lightly, mind you, so take that as one of the biggest compliments you'll ever get in your life, even if you don't know who I am. In the beginning, I started a shower curtain company, making asbestos-laden shower curtains for the military. But I kept dreaming bigger and better. And you know what? That dreaming became doing. Lots of doing. Which brought you here. You're riding into the little Michigan town of... Where are we again? Okay, so... This town doesn't have a name yet, as we're the ones who built it, but that doesn't matter. Point is, you're riding there, and you'll soon be at Aperture Science Innovators. We're still getting some of this stuff together, but there's a lot of science we can do in the meantime. You've been selected from a large group of candidates for a special test in our temporary testing areas. When the train arrives at the station, head into the town and into the Aperture building. Don't worry, you'll know where it is. You'll get some more pre-recorded messages once you're there. Now, get ready to do some science. For now, though, we're gonna put on some nice music for you. Enjoy the ride. Et salut à tous les amis, c'est Agrostis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Portal 2. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va. Vous aurez remarqué, je me promène, mais je ne fais pas trop attention aux sous-titres, parce que le problème de des jeux, je vais dire VOSTFR, donc anglais, sous-titré français. Oula, c'est pas tellement mon truc. Nous sommes maintenant arrivés à Aperture Central Station. Wait. Chris, go here. How do you spell station? Okay, think about that for a second. Okay. Does station have an extra O before the I? Alright, listen to me. Back your things. Because you're fired! Get out of my office. Out. Get out. Out of my office. Oh, I can't re-record this. Bon. Bref, nous sommes ici sur Portal 2, Stories Mel. Et... cette musique est bizarre. Bon, en même temps... le jeu se passe dans les années 50. Déjà, cette partie-là. Ça, on est tous au courant. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous laisser découvrir un petit peu ce qui se passe. Et d'ailleurs, petite nouveauté... il faudrait que je retrouve mon bouton parce que je ne sais plus exactement où c'est. Ah, la caméra! La caméra, je vais faire un test de caméra avec cette série, je ne m'entends plus penser. Aperture Science Innovators is not responsible for any injury you sustain, up to and including death by exposure to cosmic ray spallation. Don't worry though, we haven't had an accident like that in 3 days. Sorry. Make that 3 minutes. À part de cola. Ah, je me mords de rire. Les professionnels auront reconnu l'idée du logo. Bref, je voulais dire un truc avec les sous-titres, c'est que comme c'est du VOSTFR, je ne suis pas très partisan, donc il est fort probable que j'ignore les sous-titres copieusement et je ne sache pas quoi faire à un moment donné. Il dort pendant le travail, bravo. D'ailleurs, en tant que passionné de transport en commun, voyons voir ce tram. Il est pas mal. Il est pas mal. Un peu trop angulé par endroit, mais il est pas mal. Il est pas mal ce petit tram. Bref, on va monter ces escaliers à la moindre le truc. Hop. Aïe, 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 aïe. J'espère que vous allez bien, moi, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai plus enregistré de vidéos, surtout à solo. La dernière date de... il y a quelques semaines avec Noah. Here at Aperture Science Innovators, we love to give back to the community. So, instead of just giving back, we made our own community, entirely made out of Aperture Science malleable concrete, on top of the salt mines. And that's exactly why you shouldn't touch the walls or stomp your feet either. Last thing we need is to touch up a dent in the wall because someone was too hands-on. Bon, je disais, la dernière vidéo enregistrée, c'était avec Noah, et
C'est un petit peu... Ça date un petit peu, si je puis dire. Parce qu'on a... Lui et moi, on n'a pas beaucoup le temps d'enregistrer, en fait. On a souvent des... soit des ennuis perso, ou alors des... divers trucs de jeu... dont je tairai, parce que bon... ça ne regarde pas tout le monde. Joli décor, n'est-ce pas? J'ai oublié que le jeu était quand même pas mal beau, hein, pour son âge. D'ailleurs, ai-je précisé... Bah non, j'ai pas précisé. Ce jeu... Enfin, ce jeu... Ce mode a été fait par... par les fans de la communauté, qui a été traduit en français et qui est même officialisé sur Steam. Franchement, et à pas chicaner, je le trouve vraiment très bien jusqu'à présent. Bon, je vais peut-être me diriger vers mon objectif, parce que là... D'ailleurs, j'enregistre ceci le lendemain de la sortie du jeu Shadow of the Tomb Raider. I told you it was easy to find. You found it faster than any test subjects on record. that's not good. Anyway, just head through the door on the right to the elevator. You'll know where to go. Donc je disais ça, j'enregistre ça le lendemain de Shadow of the Tomb Raider. Et je ne peux pas record Shadow of the Tomb Raider parce que j'ai commandé nos cartes graphiques pour faire honneur à ce jeu. Donc je ne sais pas quand cette série sortira. Ce sera peut-être dans un mois ou deux, j'en sais rien du tout. Bref. On est le 15 septembre. Vous aurez remarqué que j'ai levé la tête in-game et IRL. Hein, quoi? Bref, arrêtez de faire le con. J'explore un petit peu, franchement. Je profite un petit peu de mon... Voilà. Ah, alors, ceci... Soyez... vous comprenez bien ce qu'il faut faire, hein. Voilà, surtout quand vous prenez quelque chose. Pliez les genoux, gardez le dos droit. Croyez-moi, ça peut vous épargner d'avoir des maux de dos dans les années à venir. Le gel répulsif. Qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est un truc diététique si j'ai bien compris. Superconducteur. Je te jure. Ah, est-ce que... Bah, voilà. J'enregistrerai pas. J'avais pas le nez bouché. J'enregistre. J'ai le nez bouché. On change pas les habitudes. Et je regarde. Pourquoi est-ce que je regarde mon deuxième écran? Vous êtes là. 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 Brrr, bon. Des mines de sel. So, at first, I wanted to put in a long flight of stairs that spiraled down through the old salt mines down here. Give the test subjects a great view of the place. But no! The zoning boards on my bean counter said that's why they invented elevators. So, when someone in a wheelchair threatened to sue, my former boys chickened out of me and built this elevator to go to our temporary offices. I'm still working on those stairs, and those guys are working on getting new jobs. Seriously, though, the stairs aren't ready, so get on that stupid elevator. Ouais. Je vous l'ai dit, je fais pas attention aux sous-titres, hein. Je les ignore quasi copieusement. Parce que j'ai le chic pour faire ça, hein. Ignorer les sous-titres, mais quand même trouver la solution assez rapidement. Parfois. Ça arrive. Miaou. Mauvaise réponse. J'allais voir là-haut ce qu'il y a, parce que je sais bien que l'aventure, ça commence par la sorcière, parce que j'avais déjà vu un let's play putain un temps. Bon, voilà, pour me souvenir un petit peu de tous les détails, ça risque d'être compliqué. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai fait Portal 2 d'ailleurs. Mais bon, j'avais d'éternuer. Oui, bon. Ouh. Si vous me voyez disparaître et couper le micro, vous étonnez pas, hein, c'est que j'ai la lithium. Voilà, enfin, bref. Vous épargnez les défauts de vos oreilles. Here at Aperture, we're always trying to push the boundaries of science that little bit more. That's why we're taking on this new project. When the bean counters told me not to buy a salt mine and all this science, the first thing they said was, no, there's too much space. You can't suspend something over nothing and pray that a test could happen in thin air. Well,
thanks to some use of the old calculator between the ears and a generous helping of the "you're fired" stamp, I came up with a final solution to that. If you can't anchor something in thin air, why bother trying to make it in the air in the first place? I came up with this. Introducing the Aperture Science Innovators Suspended Testing Sphere. Each sphere is suspended in the air, anchored to the walls by concrete and steel lattice rebar. They seem like they float in the air, but in fact, they don't. Plus, we can keep building above them, onward and upward. This salt mine here can take at least 10 of these bad boys per shaft. 9 shafts, 90 tests. We can test whatever we want to, and beat that other company into the ground. Black Mesa. Those guys can kiss my... sir, that's being recorded. Anyway, the bean counters cried like babies when they saw the cost of these things, but they wet their pants when they threw them out the door. I pay the bills, I make the decisions around here, and I hire and fire as I please. Now, the first of these spheres won't be ready for a few more months, so you'll be participating in one of our smaller tests, the Aperture Science Innovators Short-Term Relaxation Vault. Okay. C'est quand même impressionnant hein, cet univers. Portal m'a toujours impressionné, il n'y a rien à faire. L'immensité du décor, quoi, c'est formidable. Comme dirait Super Brioche, Neki gratte. Ou alors, pour celle qui gratte, bref. Il y a toujours un truc qui gratte quand ils enregistrent les vidéos. Moi, c'est le nez bouché. Bref, ça me fait du bien de reprendre un peu les vidéos. I'll tell you a bit more. This test should be real easy for you though. Just get inside one of the Aperture Science Innovators short-term relaxation vaults and lie in a bed. You'll feel yourself fall asleep quickly. Don't worry though, our science boys will get you out shortly. You'll only be out for a few minutes, an hour at most if something goes wrong. Don't worry, we've got everything under control. You'll be making science, and you won't have to do a thing. Who's the winner here? You are. Ça, c'est un truc qui est vraiment un défaut pour certains youtubeurs. Moi personnellement, j'en ai pas plus un que ça. C'est que ça blablate beaucoup. Bonjour. Mais bon, on va s'en plaindre. Oui. Oui. Bien. Aïe. Ok. So, as I said on the last pre-recorded message, you'll be heading into an Aperture Science Innovators short-term relaxation vault for a quick deep sleep, and then you're done. That's why we brought you here at night. You're most likely a walking zombie. That'll give us the best results. But just remember, don't sleep too long. This isn't a bed and breakfast, and if you decide to stay the night, I'm charging you rent for the next year. We'll have a bed ready for you. Just follow the testing area signs and go to bed. Don't mind the turrets. They're firing blanks. At least that's what Crazy Harry told me. Had 6 signs boys disappear because of him. Ça c'est un bug apparemment assez courant dans ce mode. C'est les sous-titres qui ne s'affichent pas. Voilà. On peut rien y faire, c'est comme ça et voilà. Peut-être déjà un quart d'heure que je suis là. Hein. C'est que ça. Des grosses bouboules là qui sortent. Cette porte fait un bruit affreux. Ah ah. Ça c'est un truc qu'on pourra faire plus tard, franchement. Ah. Il faut un respirateur pour passer par là. Bah, j'aime bien comme le décor est déjà préparé à l'avance pour la suite. Parce que je sais bien un petit peu près ce qui va se passer, donc bon. Oui, je marche sur les meubles, problème. Je sais où je dois aller, mais j'ai envie d'explorer. Bah dis donc. Tic tac tic tac tic tac. Eh, elle fonctionne en plus l'horloge.
Un vieux réveil chez ma grand-mère faisait ce bruit-là. Ça fait des années qu'il ne va plus. Youp. Tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Test subject waiting area. Ok. Mais moi je monte les escaliers. Nah. Best New Science Company, Apple to Science, 1947. Ah. Sympa. Non. On remplace la porte. Fire door, not a block. Porte coupe-feu, ne pas bloquer. Enfin, porte anti-feu, enfin bref, sortie de secours. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils la bloquent, comme des gros couillons. Je te jure. Qu'est-ce qu'il y a? Ma quête des éprouvettes. Encore l'horloge qui fait tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bah, j'ai eu la nausée avec à le faire ça. Die off anyone. Je sais même pas ce que ça veut dire. I like work. I just hate my boss. J'aime travailler, je déteste juste mon boss. Travailler dur. Hardly working. Ma foi. Oui. Un petit trophée. Département US. Tu. Je sais pas quoi. Runner 1950. Don't worry, those tourists won't kill you. The safety on their guns is on. Had some lab boys shut them down. Crazy Harry likes me. Please do not touch. Yes. Kay Johnson, shower curtain. Salesman, 1943. Fixture. Y'a de ces trucs bizarres dans ce jeu. Ça va les tourelles? Y'a les tourelles. Keep clear. Voilà. Ah mon dieu. Qu'est-ce que c'est? Wait for attendant. Ah. Donc il faut que j'entre là-dedans. C'est très... Voilà quoi. C'est très accueillant. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Regardez ça. Tout ça, ce sont des chambres de relaxation. Ça fait vraiment flipper. Moi personnellement, j'oserais jamais faire ça dans ma vie. Hein. Brrr. Then you're good to go. Step into the chamber and get into the bed. Our lab boys will take care of the rest. Ok. C'est... Ça s'annonce bien, si je puis dire. Is this thing on? Hello? Hello? Can you hear me? Oh, right, you can't answer. I'm so sorry, astronaut, Olympian, or war hero. There was a slight problem with the test. Don't worry though, we got shot okay. Nothing's different, nothing's changed. Just head out of the chamber, I'll tell you a bit more out there.
Voilà. Vous l'avez entendu, il y a une alarme. Il s'est passé quelque chose. Et nous sommes un petit peu abandonnés dans tout ce... Aperture science innovators, long fall boots. That was easier to think of than I thought. D'ailleurs, c'est parce que je pensais on allait être rangé avec les autres boîtes, hein. Là-haut, hein. On a été rangé là-haut, on était là en bas. Fut un temps. Hey ah. Bon. On va arrêter de faire le gold cornichon. Pick that yellow device up. Don't worry, it's not hazardous. I've had the scientists leave you a new device to help you. Yeah, that's right. A new test. Congratulations! Ah, enfin le portal gun. Avec un grand flash comme on aime. Un nez qui gratte. There's an open door nearby. Should take you out of the building. You'll need that new test to move around. Don't worry though, we built the building like this. Don't worry about that. Tiens. It's just a new drilling test we're doing down below. Yeah, to get the salt mines deeper, to get more testing spheres in. Yeah, that's it. Just ignore that. Fuck les tourelles. Bref. Je peux mettre un portail là. Ouais, les champignons là, hein. Pas touché. Pas touché ces champignons là. Je peux rien mettre là. Ah, je peux mettre un portail là-bas. J'avais oublié ce que ça faisait réellement. Ce changement de dimension. Don't mind all this too. We just had earthquakes. Lots of earthquakes. Yeah, you get lots of those here in Michigan. Bref. Popidoupidou. Je regarde un petit peu mon environnement, hein, parce que. Voilà. J'espère que le jeu va pas trop fort. Even shook up time a bit. Some donc... stuff from the future got here. Yep. That's here. Don't worry, it's still 1952. Adlai Stevenson is still president. Oui, on est toujours en 1952. Alright, so, the earthquakes. Kind of did some redecorating in here. Destroy the door too. You'll have to find another way out. En général, après un certain long sommeil, que quelqu'un te dit on est toujours en 1952 sur un ton un peu bizarre comme ça, ça veut souvent dire que c'est... Pff, elles me font peur. Que c'est souvent un mensonge. Ouais, c'est ça. Va emmerder ton monde ailleurs. Something you can use to launch yourself over the door. There has to be another way out. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Bon, bref. Ok. Le fameux truc orange. Je vais voir si je peux faire quelque chose depuis là-haut. Non. Je ne peux rien faire d'ici. Ah si, je peux faire quelque chose. Est-ce qu'il est le levier? Là. Nice. Mais je vais où moi avec ça en fait? Parce que je sais bien que c'est pour prendre de la vitesse, mais j'en sais pas plus. Je sais un vieux truc comme ça pour voir. Sésame, ouvre-toi. Ok, j'ai compris ce que je voulais faire. C'est un peu un truc à la con, mais voilà.
I know, voilà. Things might look different than what you're used to. But while you were spending that little time sleeping, we had some Aperture Science nanomachines come in and build all this stuff. Yeah, that's it. They're quick little guys. Faster than any science guy I got. Ouais, c'est totalement ça. Totalement. Nous sommes à 26 minutes de vidéo. Bon, j'ai encore un petit peu de temps. Hein? Keep out. Do not enter. Yes. But I want to explore more. Ça a légèrement changé, hein. Légèrement. Hein, fais-toi attention, c'était un parking. On voit que ça a été condamné. Bref, on va continuer à explorer. Comme dirait Homer Simpson, explorationné. Le... tellement bien parlé de Monsieur Simpson. Oupiloupilou. Ah, les fameuses grilles d'émancipation. Beyond that door is one of the new testing tracks. Totally, completely new. Get through it and head to the first testing sphere. I'll let you know more there. Totalement nouveau, bien sûr. Now, I just want to make sure you know something before you go any further. We have these new inventions called emancipation grids in place to prevent objects from moving around to other tests. Now, some guy decided that it would be a good idea to make ones that prevent people from going through. And installed one where people needed to go through. Je vois. If you turn the power off, you can easily turn it back on. That switch isn't like the rest of them. The others trip a circuit breaker that causes an entire part of the facility's power grid to blow up. So, remember, the one in here is good. All others, bad. Ok. Bien, bah, je vais vous ouvrir cette porte et je vais vous quitter là-dessus parce que c'est la fameuse grande porte. J'adore ça quand même, c'est formidable. These switches were designed for two people. Maybe your new test can help. C'est pas ce que je voulais faire, mais j'ai compris le principe. Remember, hop. You can always turn the power on or off again. Yeah, I know. But let me do that. What I want. Je sais, je parle pas très bien l'anglais. Mon Dieu, j'ai encore. Je m'ai trompé, chef. Ça risque souvent d'arriver. Voilà. Ouverture de porte. Punaise. C'est juste gigantesque. Aperture Science. Qu'est-ce que... Je... LOL. Ah bah oui, je m'étais mis là, j'avais reculé dans la grille. Oh mais quel... Oh punaise. Oh je vous jure. Bon, ce fail marque la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en j'aime ou en commentaire. Enfin bref, exprimez-vous, soit en j'aime pas ou en commentaire. Si vous faites les fous, sortez couverts. Et prenez soin de vous, c'est à Gratis pour Portal 2 Stories Mail. Bye tout le monde et portez-vous bien.